Cultivons. Mille et une améliorations, si tu veux les étonner. Le jardin qui doit visiter. Ça alors, même la grande sœur n'arrive pas à t'envoyer au tapis. Bon, tu n'as plus qu'à revenir ici et à faire fondre la glace. Et on pourra dire adieu à ce parc d'attractions à deux sous. James était le seul homme que j'ai jamais aimé. Et aujourd'hui, c'est comme s'il n'était jamais venu à Rapture. Il m'a entendu chanter au limbo. Il est venu me voir, tout timide. Il aimait entendre des chansons sur la vie dans cette ville. Je crois qu'il essayait de monter les gens contre Ryan. Et maintenant, il est parti. Et moi, je suis là, à chanter « Dresse-toi fièrement, Rapture !» La gorge serrée par la peur. J'ai peur qu'ils viennent me chercher. Impressionnant, vraiment. On peut dire que toi, tu as un don. Maintenant, ouvre le tunnel depuis le poste de sécurité et je te rejoindrai à bord. Quand je fais une promesse, c'est les yeux dans les yeux. Toi et moi, petit, on va s'entendre. Moi qui croyais que tu n'étais qu'un golem de Sinclair, venu ici pour saccager Rapture pendant que le brigand lui faisait les poches. Je comprends maintenant. Tu as conscience de ton sort. Qui pourrait être aussi cruel? Pour obliger un homme sans visage à affronter le miroir. L'ombre nous attendait. Il va falloir sortir le grand jeu. Vas-y, démarre le train! C'est toi, le pervers! J'en ai pas fini avec toi! Il fuit la lumière!
Andrew Ryan estimait que la libre entreprise était le Saint-Esprit qui nous mènerait tous à l'Éden. Personnellement, j'ai toujours estimé que c'était une vieille putain qui ne rapportait rien de plus qu'une armée de morpions. Résultat des courses, ce bon vieux Ryan est devenu l'ombre de lui-même. Et moi, je me suis fait des couilles en or. Le sujet Delta est pris au piège dans le coin de chute. La circulation des trains est suspendue jusqu'à ce qu'ils soient localisés. Souvenez-vous, l'ennemi est seul. Nous, nous sommes la famille. L'Ambe essaye de nous damer le pion. Saloperie de cité. Elle a verrouillé tout le secteur. Si tu veux que le train reparte, tu vas devoir récupérer la clé de sécurité de Grace Holloway, la vieille qui fait office de gouverneur local. C'est Grace qui m'a viré de mon propre hôtel, le Sinclair Deluxe. Trouve-la et récupère cette clé. Salut!
monstre. Tu m'as volé Éléonore et tu l'as transformée en une créature si tordue que la mort elle-même ne veut plus d'elle. Et maintenant, c'est moi que tu viens chercher, n'est-ce pas? Eh bien, tu fais fausse route. Lorsque nous t'aurons tendu un lampadaire et que tu lâcheras ton dernier souffle, là, j'aurai ma vengeance. Ma famille a vécu dans le bidonville de Saint-Louis en 32. Et pourtant, le point de chute m'apparaît encore plus misérable. Personne ne devrait vivre dans un tel endroit. Cette cité nous pisse au visage. Ryan s'en contrefout. Et Fontaine... Fontaine n'est qu'un escroc. Mais le docteur Lamb, elle se soucie de nous. À ses yeux, nous sommes encore des êtres humains. Elle nous offre des séances gratuites de conseils le dimanche. Quand je m'y rends... J'ai cette impression qu'elle envisage un nouvel avenir pour Rapture et pour moi. Ha ha ha!
liberté de culte, docteur. Mais personne ne vous empêche de vous prosterner devant l'idole de votre choix quand vous êtes chez vous. Mais à Rapture, notre seule loi est la liberté. Un homme n'a de devoir qu'envers lui-même. Toute autre insinuation est donc répréhensible. Je n'en suis pas si sûr, Andrew. Après tout, qu'est-ce que votre fameuse grande chaîne du progrès, sinon une métaphore de la foi ? La chaîne représente une force irrationnelle, qui nous guide et nous tire vers le haut, et qui relève d'une véritable mystique. Tout comme les crucifix que vous confisquez et brûlez. L'Angela. Où s'agit des anges qui dorment ? J'en appelle à toute la famille. Ce monstre a pris un autre bébé. Ce géant métallique est une cage de fer qui se nourrit de chair fraîche. Il ne laissera jamais partir notre bébé. À l'attaque ! Rendez-moi l'enfant, tout de suite ! Fais-moi fuyez, pauvre idiot ! Même les anges tombent, des rescousses très très bien. Je les déteste. Les déteste. Il a raison. Ah, on ne joue pas avec moi. Allez, tout fini, Monsieur P. Je dis à toutes mes copines que tu es le meilleur, Monsieur P. Aussi dit bonjour, saloperie de boîte de conserve. Je te fiche mon billet que Gracie est chez elle. Malheureusement, ce gorille vient de faire s'écrouler la moitié du bâtiment. Impossible d'avancer. À mon avis, si tu veux passer, il va te falloir découvrir comment il a réussi à devenir aussi costaud. Trouve-toi une caméra de recherche génétique, petit. Les chromosomes n'auront plus aucun secret pour toi. Essaie le monde piété un peu plus loin.
Le point de chute. Le quartier le plus miteux de tout Rapture. Mais le coin idéal pour se lancer dans l'immobilier pour pas cher. À l'époque où Atlantic Express construisait sa ligne de luxe, ils ont bâti des logements pour les cheminots sous le chantier. C'était des baraquements de fortune, du provisoire. Mais le hic, c'est qu'à Rapture, quand t'es fauché, y a pas 36 solutions. C'est le point de chute ou rien. Je préfère autant ne pas passer plus d'une heure à la fois par ici. Ça porte malheur de passer sous un train. Je comprends pas.